la bienvenue sur Dark Côté pour un autre jeu du 1er mai. Ah zut, on voit le... Enfin, maintenant vous voyez ce que c'est. Il s'agit de Metabot. Et je viens de me rendre compte que ici... Voilà, c'est meilleur. C'est mieux. Metabot. Un jeu GameCube. Si vous ne connaissez pas Metabot, il s'agit en fait d'un jeu vidéo, à la base. Qui est arrivé plus ou moins à la période de Pokémon, mais avec des robots. Les robots! Les robots vont tout détruire! Les robots! Les robots! Les robots! Et lorsque l'anime Pokémon est sorti, ils se sont préparés à faire un anime pareil, ça s'appelait Metabot. Et il s'agit de bastons de robots. On va y aller pour un mode scénario. Hein. Alors celui-là est directement un jeu adapté de l'anime, donc évidemment les personnages seront adaptés de l'anime. Allez, dépêchez-vous. Vite, vite. Mince, c'est déjà assez dur de perdre contre Rika, mais en plus je perds contre Brass. Quoi ça, Rika? Mon nom c'est Erika. Oh. Ah, tu t'es retenu parce qu'on est des filles, non? Ouais, c'est ça. Je vous ai épargné. Attendez, essayez. Ouais, elle a raison. Du calme, vous deux. Pas la peine d'aller si loin. À quoi tu t'attendais? Tu t'es réveillé à quoi t'as décidé d'aller courir? Tu plaisantes? Tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui? C'est ton route roulante. La tourroute Rolande. Hein? Quelque chose de spécial? Mais c'est sans espoir! C'est le jour de la course au Robataille! Tu te souviens, tu as dit, la prochaine fois je jouerai et je serai champion! Qui ça moi? Écoute! Pas besoin de crier! Le premier prix, c'est la course au Robataille, c'est... un laissez-passer d'un an pour tourroute Rolande! J'ai entendu qu'on gagnait aussi des médaillements rares. C'est vrai? Et pour finir? Ouais. Avec le laisser-passer, tu peux boire et manger autant que tu veux. Manger à en tomber, ce qui veut dire que tu vas pouvoir passer l'éternité dans un parc d'attractions sans payer l'entrée et sans payer la bouffe. Il y a absolument aucun moyen qu'on loupe ça. Imagine un peu, tu vas à Disneyland, déjà tu rentres gratuitement, mais en plus tu bouffes gratos. C'est le rêve. Tu dépenses pas un centime. Tu dépenses pas un centime, Morty. Je m'appelle pas Morty, mais c'est décidé. Ces médaillements rares et se laisser passer sont à moi. N'oublie pas la bouffe. Comment je pourrais la bouffe, oublier la bouffe? En plus, t'es un robot, tu manges pas, techniquement. Ah, c'est un impulsif. Il l'a toujours été. Comme tu dis. Donc, vous avez des tickets pour la course? Ticket? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ce mot? Il faut un ticket pour s'inscrire à la course, débilus. Tu ne peux pas participer sans t'inscrire. Quoi? J'en ai pas. Il n'y a que toi pour oublier quelque chose aussi vital. Tiens, je t'en ai pris un.
je me doutais que... Alors j'ai acheté. Erika. Quelle pitié. Hé hey, Erika, pense vraiment à nous, des fois. En fait, c'est moi qui ai fait la queue pour ce ticket. Je vois. Bon, on entre? Ouais. Je ne contrôle rien. Personne. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Iker? C'est étrange. Rien n'a l'air suspect ici. Et c'est reparti avec la journaliste star. C'est pas bien normal parfois. Oui, si le monde devenait fou, ce serait mauvais. Ne sous-estime pas la grande Erika Hamasaki. Quelque chose a déjà commencé à Toronto Roland. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Apparemment, je ne suis pas la seule à faire une enquête ici. Les participants peuvent s'inscrire au guichet d'information sur la place centrale. A plus tard, viens, Brass. D'accord, Miss Erika. C'était quoi ce flash? C'était quoi ce flash? Ah, c'était peut-être une photo souvenir. Ne t'en fais pas. Tu es sur ma raison. Elle a pris tout à ce point info. Bonjour. Hey, il a dit bonjour. Réponds au moins. Je suis sûr qu'il n'a pas entendu. Bonjour. Je ne dormais pas. Je travaille toujours dur. Wouah. Excusez-moi, je voudrais participer à la course. Rebataille, s'il vous plaît. Oh, tu vas en faire partie. Tu as ton ticket. Et le voilà. Si tu pouvais écrire ton nom et celui de ton partenaire au dos, s'il te plaît. D'abord mon nom. Pete. Waouh, quel nom de merde. Iki. Non, on n'est pas... Déjà, pourquoi est-ce que j'ai... Pourquoi tu commences directement sur la page des lettres truites? Mettre des majuscules ou non? Voilà, parce qu'il faut jamais faire ça facilement. Bien sûr que tu m'as fait des villes, enfin. Oui, celui de... Dans mon partenaire. Voilà, c'est Rebure le robot. Tout ça m'a l'air bon. Alors, juste pour être sûr, Devil et Rebure le robot, c'est ça? Oui, c'est ça, il s'appelle Rebure le robot. Putain, Iki, je vais te tuer. Ah, voilà, se laisser passer. Pour les coureurs, ne perds pas. Pas de risque. Il y a un parcours que les coureurs doivent suivre. Commence par l'endroit appelé... Zone forêt. En route, Devil. Sois attentif aux signes dans le parc. Il y a des infos sur les rallyes, tu peux aussi enregistrer tes progrès. Je vois, je vais garder ça à l'esprit. Allez, viens, Rebure. Oh putain, je vais te tuer. Bon, il nous reste du temps. Rebattons-nous pour nous échauffer. Quoi? C'est quoi une rebataille déjà? On vient juste d'arriver. On pourrait pas faire une pause, putain? Je suis levé il y a 2 heures et j'ai dormi il y a 3 heures. Juste un entraînement. Tu ne perdras pas ton de médaille élément. De toute façon, j'en ai pas de médaille élément. Alors, juste au cas où, ça, ce sont les méda éléments. Si on avait dû faire des jouets médabots, on aurait dû vraiment avoir des vrais robots. Regardez, si je peux. Voilà. Je le mets tout nu.
Il s'appelle Robur le robot. Voilà. Et si tu perds une bataille, tu perds tes médailles éléments. Et regardez, du coup, les médailles éléments montrent ta puissance, ta vitesse, ton armure. Et dans la série Medabot, en fait, quand tu perds une robataille, tu perds un médaille élément. Et de ce fait, c'est un peu comme si ton Pokémon y perdait des coups. Et nous avons donc Robur qui est équipé. Allons-y, Robur. Comment on va sur scène? Et donc, dans la série, eh bien, Metabi est un médaillon rare. Let's get going! Qui a été volé dans un laboratoire et par un type masqué dont j'ai oublié le nom. Et du coup, Iki retrouve le médaillon dans la rivière et le met dans un squelette. Old génération. Et lui, il est toujours là. My life is all about Robattle! Sometimes I want to Robattle too! Are you ready? Perfect opponent! I wonder if I can get the scoop. Ce type, littéralement, il sort de n'importe où. Metabots Robattle! Alors, on va voir comment ça se rebataille ici. Oh merde, je me suis trompé de. Ok, ça va être dur parce que je ne suis pas sur le bon stick. Oh, je l'ai eu! Mais je t'ai défoncé, meuf! Oui, mais tu vas pas assez défoncé. Bien sûr qu'on va essayer, j'étais pas prêt. En fait, le truc, c'est que, apparemment, j'ai un stick pour me diriger, mais je l'ai pas mis au bon endroit. Parce que je sais pas ce que c'est les touches GameCube. Donc, moi, quand j'ai modélisé le truc, ça m'a mis. Joystick gauche et droit, donc let's je les ai mis au endroit. Je pouvais pas savoir que les chez Nintendo, soit tu te déplaces, soit tu tires, quoi. Et que l'autre, ça sert à rien en fait. J'ai un deuxième joystick qui sert à rien. Il en a compris. J'aime les robots bataille. Metabots Robattle! On a un coup de défense, on a un coup d'attaque. Derrière ces cailloux. Moi, je pourrais changer ma vue. Allez, s'il te plaît, change ta vue. S'il te plaît, ah! Ah, mais non, mais. J'ai pas compris! Je comprends pas ce qui se passe pendant que je gagne! Qu'est-ce que c'est que cet entraînement de merde? I won! I won!
Robin. Non mais, j'ai des questions. Je... D'abord, pourquoi tu me fais... Allez, on va faire un petit entraînement et que l'entraînement débute en mode je vais te démonter la gueule, espèce de sale robot de mes deux. Ensuite, pourquoi il n'y a pas un bouton qui me permet de regarder là où je veux regarder et que je suis obligé de bouger avec le stick que j'utilise pour regarder. Ensuite, pourquoi mon stick, let's get quand going. Je bouge, ça bouge les trucs. C'est pas le but d'une croix directionnelle de bouger les trucs. Quel est ce jeu? Look at the sky, the stars and the universe. There is... Oui, ta gueule. Bon, on va d'abord rester notre côté, on va essayer de comprendre. On peut m'expliquer comment je fais une rebataille. Tu es censé aller doucement avec moi. Non, j'ai oublié que ça va. Quoi tu dis? Peu importe. J'y vais alors, à plus tard. Et tiens, on ne perd pas de la jeune forêt. Pas moi. Ah d'accord. Devil, tu dois suivre ta propre route, d'accord? Si tu te perds, regarde les signes à côté de chaque entrée. Compris. Le stick que j'ai mis pour le déplacement, il est sur le mauvais côté, du coup j'ai l'impression de jouer avec une manette de merde. Mais c'est pas le chemin! Si seulement j'avais moyen de regarder où est le chemin. C'est proche, mais j'ai perdu. Ça, c'est déplacement. Voilà. Ça, c'est le deuxième stick. Le deuxième stick, il sert à utiliser les pièces. Ah! Ah bah non. Non, c'est de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? On avance au point suivant. Mais c'est pas le bon chemin, mais putain, mais je sors de la forêt pour arriver là. Non, mais si vous voyez à quel point j'ai pas envie d'aller refaire les trucs. Bah voilà, ça doit être mon premier adversaire, ça. Mais c'est Karine! C'est l'autre dont il est amoureux. La meuf la plus pure, mais personne ne veut la battre. Bonjour tout le monde, alors tu es venu aussi? Un sacré coup de chance, c'est tombé sur Karine ici, c'est un signe du destin. Mais non, il n'y a que 6 putains de persos dans votre univers. Toujours à présenter. Bonjour, Robert le robot. Hey, t'as l'air en forme. Toi aussi. J'imagine que puisque tu es ici, tu vas participer à la course. On peut dire ça. Tout ce que tu peux manger, je veux dire, je veux gagner. On dirait que je vais avoir des ennuis maintenant. Mais pourquoi ça? C'est un jeu de devant moi. Le problème, c'est si je ne te bats pas, je ne pourrai pas être sacrée championne. Mais ça veut dire qu'une rebataille contre notre Anners. Ce sera un honneur de rebattre contre toi. L'honneur est pour moi, ça ne sonne pas bien. Rebattez-vous bien.
Salut. Qu'est-ce que je vais faire? Au fait, Robura, deux jambes, alors prenez garde aux eaux profondes. T'es méchant, c'est pas trop une fille. Robataille contre Neutraner, c'est ça? On va la démonter, c'est un robot soigneur. C'est comme défoncer Ange dans Overwatch, t'as aucun intérêt. Come on! Qu'est-ce que c'est que ça? Leave it to... Where you are standing now is called the start. Use the devices and get... If you push the A button in front... If you step on... That's not all. Traps will act... Like that usually if you find it switches if you something rip Ok, j'ai pas très bien compris le principe, mais apparemment on a du temps pour trouver. Il y a un portail là. Dium tripode. Continuons notre chemin. Je suis sûr que nous trouverons un moyen d'atteindre ce point rouge. D'accord, ça c'est des pièges que je peux casser. De toute façon, ils peuvent pas se connaître. On s'en bat. Oh merde, il y en a tellement. Il a l'air à tête cherche. If you shoot a no matter the balloon but if the we watch your top you can drop. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, je suppose que je vais pas sauvegarder ce jeu parce que c'est pas un bon émulateur, évidemment. Oh, je suis tellement malin, j'ai même pas besoin de regarder. L'autre robot il doit faire pareil que moi ou inutile?
devient injuste. Hein. J'aime pas ce que je gagne, mais bon, je gagne. Hein. Tant que je gagne, je joue. J'ai pas grand chose à dire sur Medabot, ça fait extrêmement mal. Il y en a quelques-uns sur YouTube, j'ai revu les 5 premiers épisodes. Même si j'ai vu que genre Michael Keaton de Carmela s'est foutu de la gueule de Medabot en disant ouais, pourquoi Medabot est meilleur que Pokémon. C'est vrai que c'était un peu ta grosse chialasse Medabot, mais c'était pas non plus le pire dessin animé de ces années-là, quoi. Il y avait dans Dieu Anaconda aussi, rappelons-le. Mais bon, c'était définitivement juste là pour attirer les gens qui étaient fans de Digimon, Pokémon. Et sincèrement, il y a eu des tentatives où c'était bien. Que hein. Qu'est-ce qu'il y a? La photo bien sortie. Le modèle fait la différence. Tu crois vraiment? Oups, je prends toujours des clichés de Medabot et de leur Meda champion. Mais pas aujourd'hui. Je veux une photo qui m'enverra en première page. À plus tard, les toquers. Un garçon pressé. On aurait cru entendre Erika avant. Ouais. On aurait cru entendre Erika pendant une seconde. Tu veux te battre, toi? C'est ce nouvel item, c'est vrai. Ça ne change rien, mais on ose les jambes tripodes. Non, c'est 45 en armure, 15 en défense, 104. On va le garder au cas où on perd nos jambes. Apprendre à me rebattre. Putain, je sais pas trop battre, t'étais un Medabot, non mais allô quoi. Arrête de faire ça. Après moi j'essaie d'appuyer sur la touche d'action, mais j'appuie sur. Bon, et sinon, c'est quand que je fais des rebatailles là? J'ai dû passer des portes parce que c'est pas possible. Il y a d'autres petites portes comme je viens de passer, mais. Tu veux te battre, toi? Où est-ce que je peux faire des robatailles, bande de fils de... Je suis
paumé là. Mais le chemin il est bloqué là-haut. Je suis venu pour faire des robatailles, je suis pas venu pour faire un jeu de plateforme. Toi tu veux te battre? Oui oui, on a vu un robot avec des... avec un appareil photo. Oui mais je vous ai même pas encore battu, arrêtez de dire que vous avez perdu. Préparation en progrès hein. Bon, est-ce que je peux appuyer sur A sur l'autre? Que je vais refaire le même niveau en boucle jusqu'à ce que je débloque un certain niveau ou un truc dans le genre. Parce que le joueur a peut-être dû m'introduire aussi le système de... je sais pas... de n'importe Don't quoi. Be off guard. Don't worry. Le gamin qu'elle soit ça au Pokémon Stadium. Je veux bien qu'il y ait des fans de Metabot, des fans de Metabot à l'époque, j'adorais. Dans la photographie, on connaissait tous Metabot quoi. Comme les Beyblade hein. On avait tous des Beyblade parce qu'on avait tous les Beyblade de la série et qu'on disait que c'était trop ouf. Pour finir, c'est une grosse chiasse, hein, les blagues, quand on y pense. Après, il y en a certains qui vont se foutre de la gueule dans notre génération. J'ai qu'un mot à dire. Bakugan. Gormiti. Hein? Ça vous rappelle rien, ça? Thank you.
D'accord, j'ai compris, il faut attendre que le ballon y arrive par là. Je vois pas, hein, parce que vous voyez, je me vois si jamais j'essaye de faire quoi que ce soit avec mon machin là. Mais il faut que je le voie. C'est-à-dire que normalement, dans ce genre de cas, tu le montres. Tout à l'heure, j'ai eu par chance, on dirait. Non, c'est malade ou quoi? Troqué. J'ai trop vu. On va y avoir un peu les adversaires qu'on aurait pu avoir parce que je vais pas continuer le jeu. Vous voyez bien que c'est de la merde. Erika, Akatsuki, Sora, Shinsui, Takashi, Tekchan, Kenichi, Tobigage, Danjuro, Ijaku, Gaiben, Ikaru, Yuki, Shikayuki, Safi. Mon dieu, mais il n'y a que Erika qui est un personnage de la série, tous les autres c'est des assemblages de plusieurs Medabots. Celui-là c'est un Medabot pêcheur quoi. C'est vraiment ça, c'est un Medabot pêcheur. Il était dans l'épisode que j'ai vu en plus, c'était genre un Medabot qui pêche. Et du coup Metabi après il lui emprunte ses jambes parce qu'il ne sait pas nager. Mon dieu, mais... Sincèrement, de tous les jeux que j'ai joué, malgré que ce soit pas un jeu de bâton, un jeu de baston, je veux dire, mais c'est un des pires jeux qu'on a testé, là, on est d'accord. Même Ranma, là, Ranma hier, c'était... Enfin, pas Ranma hier, mais Ranma, l'épisode précédent, il était plus intéressant, quoi. Ouais, mais c'est mieux passer au travers. Bien. Pas dans l'eau maintenant. Bon, bref, ça n'aura duré qu'une demi-heure, mais... Metabot. Voilà. Du coup, à tout à l'heure pour un jeu, j'espère qu'il sera meilleur. En attendant, voilà, j'ai joué à Metabot. Après, si des gens dans les commentaires veulent me dire « Oui, mais vois-tu, t'as pas joué comme il fallait à Metabot. Parce que Metabot, voilà, il faut connaître la stratégie metabotienne et il faut que... » Ta gueule. Jeux vidéo avec des robots que tu peux pas voir véritablement ce qui se passe parce que on est bien d'accord que il aurait fallu que j'ai une vision FPS pour voir ce qui se passait dans les combats, sauf que là c'est une vue de dessus à la GTA. Mais GTA c'est pas une vue de dessus. Ta gueule. Arrête de comparer quand on dit GTA à GTA 5, GTA 4, GTA 3. Bon, je parle du GTA original qui est en vue de dessus comme Shane Nathan Wars. Voilà, ta gueule. Bon ben, à tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Deco Gaming, c'était Denis la plus.